Journée nationale de la presse ce 22 octobre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui une cérémonie de distinction des journalistes lauréats de la 8e édition du prix du président de la République du journaliste professionnel et a rendu hommage à des journalistes décédés. Je vous en parlais en titre. Journée nationale de la presse ce 22 octobre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui au Palais du Peuple une cérémonie de distinction des journalistes lauréats de la 8e édition du prix du président de la République du journaliste professionnel, organisée sous le thème « Soixantenaire de l'indépendance, défi d'hier, défi d'aujourd'hui ». Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, du Premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman, du président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, du général d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, les conseillers du président de la République, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslemani, ainsi que des membres du gouvernement et des directeurs et responsables dans le domaine des médias et de la communication ont également pris part à cette cérémonie. De distinction. Sayyid Raïs al-Jumhuriya. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a à cette occasion honoré des familles de grands noms des médias qui sont décédés. أدعوكم فضلا سيدي رئيس الجمهورية لأن تتوسطوا وتتصدروا هذه القاعة فضلا لتكريم أولى الشخصيات والقامات الصحفية المرحوم محمد سعيد بالعيد تتقدم ابنته محمد سعيد عايدة. ثاني القامات الصحفية السيدة المجاهدة المرحومة زينب الميلي ويتقدم عنها ابنها نوف الإبراهيمي الميلي القامة الصحفية الثالثة السيد عبد المالك حويو ويتقدم عنه ابنه عبد الله الأمين حويو القامة العلمية الصحفية المرحومة صابرين خليفي والتي يحضر عنها زوجها المخرج الشاب تريبش نبيل Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a récompensé les lauréats dans les différentes catégories. Les membres du jury du concours ont également été récompensés par le président de la République. تكريم الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف أدعو عن فئة الإعلام المكتوب الصحفي خالد ضرباني الفائز الأول في فئة الإعلام المكتوب من جريدة النصر عن موضوع له بعنوان ثبات العهد والتوجه نحو العصرنة ينال شهادة تقدير وقد نال مكافأة مالية عن هذه الجائزة أدعو فضلا في فئة الإعلام التلفزي الفائز بالجائزة الثانية السيد منير العرج عن المؤسسة العمومية للتلفزيون كانال الجيري في روبورتاج له بعنوان لي ميديا الجيريان دي 1962 jusqu'au 2022 entre sacrifices du passé et défis du futur الفائزة بالجائزة الأولى في فئة الإعلام الإذاعي السيدة بشرى أبو حناش عن إذاعة ميلا الجهوية
في موضوع لها بعنوان شمس الجزائر أشرقت. الفائز الثاني في فئة الإعلام الإلكتروني السيد عبد الحليم دياب من موقع زير تيوب. في موضوع له بعنوان الجزائر الجديدة تحديات وآفاق. ونختم برئيس لجنة التحكيم السيد سليمان العرج. الأستاذ سليمان العرج يرأس لجنة التحكيم للسنة الثانية على التوالي في الطبعتين السابعة والثامنة بمعية من ساهم من أعضاء لجنة التحكيم، يحظى بشهادة تقدير وعرفان من السيد رئيس الجمهورية. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ensuite pris une photo de famille avec les lauréats du prix du président de la République du journaliste professionnel et avec les membres du jury. Au terme de cette cérémonie de distinction, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu avec des journalistes exerçant dans différents organes de presse, ainsi qu'avec des journalistes à la retraite. De hauts responsables de l'État ont récompensé les lauréats du prix du président de la République du journaliste professionnel. En Algérie, le chemin de la résilience. De hauts responsables de l'État ont également récompensé le jury du concours du prix du président de la République du journaliste professionnel. Lors de cette cérémonie, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a réitéré l'engagement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour son soutien aux femmes et hommes de cette noble mission. Je vous propose de l'écouter. Le 22 octobre est une occasion pour exprimer notre reconnaissance à la famille de la presse nationale qui a porté beaucoup de sacrifices pour que la nation demeure debout. Ce rôle est plus que jamais nécessaire. Il se confirme davantage, notamment à travers les acquis réalisés dans le cadre des concrétisations des engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Des engagements qui visent à retrouver la grandeur de l'État et son rôle constructif. L'importance du rôle de la presse réside également dans sa position de rempart contre les tentatives qui visent à parasiter les positions immuable de l'Algérie, ses décisions souveraines. Je vous invite à présent à écouter ces quelques déclarations des lauréats de cette 8e édition du prix du président de la République du journaliste professionnel. Je tiens à remercier le président de la République pour cette distinction. Je salue tous les journalistes des médias nationaux à l'occasion de la Journée nationale de la presse. Cette récompense est une appréciation des efforts du travail journalistique des journalistes algériens. Aujourd'hui, il a été primé avec un deuxième prix du président de la République du journaliste professionnel.
pour le film documentaire Les médias algériens 1962-2022, entre sacrifice du passé, défi du futur, une certaine reconnaissance de la part du président de la République en cette journée nationale de la presse. Je suis plus que content, ce travail vient couronner une noble carrière de 16 années, mais aussi couronner, récompenser tous les travaux de la télévision algérienne, cette télévision leader dans le monde des médias. Le prix du président est le rêve de tout journaliste. Je suis heureux d'avoir décroché ce prix, ce qui me motive pour travailler davantage. Cette récompense est un encouragement pour le journaliste. Cela nous pousse à produire davantage pour construire une carrière professionnelle.